congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Une importante réunion de commandement a eu lieu à l'état-major de la 3e zone de défense ce mardi 2 janvier 2024, de 14h10 à 17h45 local. Présidé par le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, cette réunion a connu la participation du commandant de la 31e région militaire et commandant en place, le général-major Mujingamish Timothée, le deux commandants adjoints de la 3e zone de défense, respectivement le général-major Kiamasa Mutupeke Diedone et le général de brigade Sangwa John, le nouveau commandant du secteur opérationnel Ouélé, le général-major Mukalai François, le chef d'état-major de la 3e zone de défense, le général de brigade Kelekelo Séraphin, ainsi que la cellule opérationnelle de la 3e zone de défense et celle de la 31e région militaire. Il faut aussi noter la présence du commandant Task Force de la garde républicaine, le colonel Mandé. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire des trois provinces, notamment celle de la Tchopo, les Bas et Haute-Ouélé, ainsi que la sécurisation de nos frontières. Dans son adresse, l'autorité a formulé plusieurs orientations au nouveau commandant secteur opérationnel Ouélé sur la défense de l'intégrité du territoire national dans cette partie de la République, mais aussi la sécurité de nos frontières avec le pays voisin. Enfin, quelques photos des familles suivant les catégories des participants ont mis fin à l'activité de ces jours. Des nouveaux bâtiments de l'état-major d'administration ont été inaugurés le vendredi 29 décembre 2023 par le général-major Kisezo Kukwa Botoma, sous-chef d'état-major chargé de l'administration à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Les travaux de la construction de ces bâtiments ont été exécutés par l'entreprise Fossami sur financement propre de l'état-major administration. Dans ce mot, la responsabilité de l'entreprise de construction s'est réjoui donc de la confiance faite par l'armée à son entreprise. Je suis Madame Karim Wakiembi, je suis femme commerçante entrepreneur, je suis la fondatrice de la fondation Fokami et je suis également la vice-présidente des tenanciers des chambres froides du Congo. Et je suis la première conseillère en matière économique au mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, en site de MIFDA.
Alors, en tant qu'entrepreneur, donc, je suis un peu de partout, comme je venais de le dire. Alors, le projet ici, c'est le conseil par mon entreprise, établissement Gardé Carré. On a commencé au mois de mai et aujourd'hui, c'est une inauguration. Pour moi, c'est une grande fierté de voir que je suis congolaise et que j'ai apporté l'édifice aux militaires, parce qu'ils étaient encore compris dans leur bureau. Et de voir que les bureaux sont bien installés pour moi, c'est vraiment une grande joie de contribuer pour quelque chose pour les militaires. On disait, après la visite guidée des nouvelles installations qui devraient abriter les membres de son état-major, le général Kisezo a remercié donc l'entreprise de construction. Je viens de récupérer pour obtenir un cadre plus ou moins idéal au personnel de l'état-major d'administration. Je suis très satisfait parce que après la visite, on a constaté que la qualité du travail et même les meubles qui sont placés dans ces bâtiments sont des meubles adaptés. Donc voilà ce qui prouve mon sentiment de satisfaction à l'issue de cette journée. C'est une brève cérémonie de remise des clés après les travaux. L'an 2024 a été mis en marche par une réunion de commandement. Entouré par ses siens, le commandant 31e région militaire et commandant en place, général-major Mujinga Mistimote, à son côté son adjoint chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Kasongo Mulunda. Son chef d'état-major, le colonel Kamba Bernadette, est le directeur et le commandant des unités rattachées à la 31e région militaire. Le général Mujinga Mistimote a mis deux points à l'ordre du jour. Évaluation de la situation sécuritaire du dimanche 31 décembre 2023 et la festivité du nouvel an 2024. Le plan de la sécurisation de son entité de commandement, le général-major Mujinga Mistimote, n'a pas caché sa joie de souhaiter encore les meilleurs vœux à tous et à leur famille. Une occasion d'écouter ses services concernés sous la participation de tout l'auditoire. N'a pas aussi resté indifférent à l'exercice annuel, les rapports qu'ils ont ensemble traités à cette réunion de ce mercredi 3 janvier 2024. Kisangani, colonel Kawaya Munyoma Paul. Le commandant de la 12e région militaire a tenu une réunion de commandement à l'état-major à l'intention des directeurs et commandants des unités de la garnison de Matadi. À l'ordre du jour, 1. Sécurité. 2. Élection. 3. Alerte générale. À la fin de l'année, peut amener des problèmes. Mieux vaut prévenir que guérir. La sécurité doit être à tout azimut. 2. Élection. L'armée est la grande muette sur les élections. Elle a des droits, mais aussi des devoirs. Que tout militaire s'abstienne aux commentaires sur les élections, car il est apolitique. Dans le cadre de l'alerte générale, le 31 décembre 2023, il est décrété que chacun sera sur les lieux de son travail au plus tard 18 heures pour y passer la nuit. Toute info sécuritaire doit être portée à la connaissance des autorités. Après les propos du commandant région, la parole a été donnée aux assistants de la réunion.
de vivres composés des sacs de riz et des poulets et des bidons d'huile a été remis ce jeudi 28 décembre 2023 aux veuves militaires par l'association des épouses des militaires des FARDC-AM pour les festivités de fin d'année. L'amphithéâtre Tiens du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense Tchèze a servi de cadre à cette cérémonie présidée par Mme Kasunga Bernadette, représentante de la présidente de cette association, Mme Nathalie Chiwewe. Au nom de Mama Chiwewe Nathalie, Mme Kakenza, secrétaire de cette association, a présenté ses vœux les meilleurs à ses veuves militaires venues nombreuses à cette réception des bienfaisances et solidarité entre les épouses des militaires. Au nom de Maman Chef MG, Maman Nathalie Chiwewe, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu. Si nous vous avons réunis ici aujourd'hui, à l'initiative de Maman Chef MG, je citais Maman Nathalie Chiwewe, c'est pour partager le petit rien que le chef d'état-major général, le général Chiwewe, en bon père de famille, est conscient. Après la remise des vivres, quelques veuves militaires ont livré leurs impressions à notre micro. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qu'on a opéré, chef d'état-major, on a vu son papa Chiwewe. Ma casse, on a vu maman, on a maman généraux. Maman Kasongo, Maman Chiwewe, tu peux se faire merci, mais on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Et maman général Kasonga a donné aussi les buts de cette association. Les gens, on a vu ça, on a vu papa Chiwewe. On a vu ça, tu peux se faire merci, mais on a maman Nathalie Chiwewe. Ces cérémonies s'est clôturée par un rafraîchissement. Le 8 janvier 2024, de 10h30 à 12h juste, dans la salle de réunion de la base militaire de Kitona, les commandants grandes unités et les directeurs des différents services de la base militaire de Kitona ont été informés sur les systèmes informatiques de gestion de ressources matérielles SIGERM en cycle devant le commandant de la base militaire de Kitona, adjoint en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Mouniakasi. A cet effet, le commandant de la base militaire de Kitona, adjoint en charge d'administration et logistique, a procédé à la remise symbolique du diplôme à un élément de la base militaire de Kitona qui a bénéficié de cette formation. Pour clôturer, le directeur du système informatique de gestion des ressources matérielles du corps logistique a répondu au micro du service de communication et de l'information des forces armées. Je suis venu premièrement pour doter les matériels informatiques à l'officier que nous avons formé dans ce système. Et puis deuxièmement, nous sommes venus pour le lancement de ce système à la base militaire de Kitona. Oui, ce système consiste d'abord la mise à jour effective de matériel. Le commandant doit prendre des décisions stratégiques à partir de ce système, savoir le volume, avoir aussi la traçabilité du matériel dès l'acquisition jusqu'au déclassement. Oui, c'est ça le but final que je venais de dire. Le but final, c'est avoir la traçabilité du matériel. Oh, d'abord, dès la formation, ils étaient bien formés d'abord, suivant les conseils, parce que très souvent, on m'a nommé maître nageur. Je les ai tout dit. D'abord, servir la nation, servir l'unité et être discret dans tout ce qu'il va faire. Parce que c'est la gestion du matériel. C'est moi qui vous remercie. Tenue et culte d'action des grâces des fins d'année 2023, vendredi 24 décembre, à l'état-major de la force terrestre. Ce culte organisé par les aumôniers des forces armées de la République démocratique du Congo, affecté à cette unité de FARDC, avait pour but de rendre gloire au bon Dieu de ce qu'il a fait pendant l'année 2023 pour notre armée. Dans son homélie, l'aumônier catholique en chef à la force terrestre, le colonel abbé Jean-Pierre Bonongali Mambé, s'est inspiré de l'évangile de Luc, verset 13, 1 jusqu'à 5, recommandant la répartition
l'importance et la reconnaissance à Dieu. Luc 13e chapitre, les 5 premiers versets. Bobele otango ena bato basusu baye koye bisaye maema kwela ki bato ba Galilea. Pilato abomisa ki bango tango bazayi ko bonzela nzambe miboma yezu alobi na bango. Awa basali bango bongo bokanisi te masumu mabango maliki masumu mabato ba Galilea basusu banso alobi na bino elo pote kasi soko bobongo ni mite mate bino pe banso bokokufa se ndenge wana pe bato zomi na mwami bakufaki mpo linonge ya Siloe likwelaki bango bokanisi te mabe mabango maleki mabe mabato basusu ba Jerusalem nalobi na bino eloko te kasi soki boboyi kobongola mitema bino banso bokokufa se ndenge yoko. À l'issue de ces cultes communiques, le chef du département des opérations de la force terrestre, le colonel Pierre Moussangilwa, a saisi cette occasion pour remercier au nom du chef d'état-major de cette force empêchée les aumôniers et l'assistance pour leur disponibilité et surtout les a-t-il exhorté à l'unité et la compassion avec nos compagnons d'armes engagés au front. Natondi bino nyoso botondi na ndenge basali ya nzambe bapesi ngai espace oyo ya ko représenter chef d'état major ya force terrestre na molulu oyo ya monene na kati ya mbula na tondi bino yoso botondi na yango chef d'état major ya force terrestre général Fal Misala etindaki ye na Goma mokitani na ye général Ilunga tuza na ye awa be azali empêché nde alobi na représenter ye na kombo ya Yesu Kristo oyo akufaki na ekurufu mpo na biso basoda mpe lokola na yango na koloba se liloba moko bitumba ebunda likolo ebunda na mai ebunda wapi esukaka na mabele banani bazobunda ba elema ya force terrestre na yango mpo tokompatir mpo tozala bango elongo biso tozali awa ifo tosala mosala malamu ndenge na eglize balobaka prie sans cesse sambela sans cesse sans kokata biso mpe basoda tosala mosala ya kokengela mboka sa kotika vide tozala vigilant tozala prudent na suka mbula oyo mbula oyo eza ya bamakambo ebele mbula ya maponami basivile bazopona mokonzi oyo okunza biso lobi biso basoda tozali consigne tozali consigne mpona tozala trouvable esika moko donc totiki bandako totiki misala na biso mpo balinga baloisir tozala esika moko mpo tozala bo moko na baninga oyo bazokengela mboka mingi ya koloba ezali te merci beaucoup tozala bo moko 2023 eleki na makambo na ye ya mabe mais 2024 awa le 30 le 29 le 30 le 31 tosala bilan bilan nini tokosala ngai nasilisi mbula oyo nazalaki nasali mosala na ngai malamu nazali malamu na ba voisin nazali malamu na bakitani na ngai nazali malamu na bo baza likolo na ngai nazali malamu mpona kosalela mboka tosali bilan wana mpo tokotala mbula oyo tozobanda mpe twa tozala propre tozala mpe bato ya sika voilà eloko na ngai ndayebisa bino moto na moto asala amitala na kati na ye asala introspection omitali na kati ngai nani bon lelo oyo na telemi kobanda mbula ebandaki nde basakoli balobi ti lelo naleki oyo akufaki na nini ngai mais yo ozali na bomoi donc tokomisa mpe kolo na yango nakosilisa baloba na ngai na verse mibale nakosenga mingi ava tokata botangela nga verse na ngai mibale wana verset liboso Luc 3:14 bokotangela nga yango Luc 3:14 na verset ya mibale bokotangela ngai 2 Thessaloniciens chapitre 3 tobanda na 7 8 9 10 et
Les prévôtés militaires de la garnison de Kinshasa ont effectué le vendredi 8 septembre 2023 la marche d'endurance sous la conduite du colonel diplômé d'état-major Moutete Mutundadim, commandant bataillon de cette unité. Vêtu tous en nouvelle tenue, de 5h à 10h, la marche a débuté sur l'avenue du haut commandement en passant par l'avenue de la liberté pour chuter au bataillon PEM situé au camp lieutenant-colonel Kokolo. Cette marche d'endurance a été organisée à l'occasion de la présentation des nouvelles insignes pour distinguer désormais les militaires PEM du bataillon ancien de la 14e région militaire aux Arapi qui sont dans les autres unités des forces armées de la République démocratique du Congo. À la fin de cette marche, le commandant bataillon PEM s'est exprimé à notre micro. Et aujourd'hui, si nous avons fait un petit carnaval, c'était un petit carnaval de routine, justement pour faire voir que la police militaire est là. La police militaire veut travailler, la police militaire veut exercer dans ses missions régaliennes. Il y a beaucoup de confusion à ce qui concerne la tenue des prévôtés militaires, la PEM que nous sommes. Nous avons aussi des PEM qui sont dans les QG des unités. Et ces PEM-là peuvent rester dans le QG. Ils ne peuvent pas être au-delà du QG. Nous sommes en train d'exercer notre travail de routine, celui de traquer les éléments irréguliers, celui d'appuyer la police militaire, celui d'imposer la discipline. Toutes sortes de marques extérieures de la tenue, nous sommes là pour régulariser. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele, totombola bendele ya mboka na biso.